Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors comme tu l'as vu dans le titre, on va aujourd'hui s'intéresser aux protéines et surtout, est-ce qu'on peut en manger assez dans l'alimentation végétale? Alors bien évidemment, la réponse est oui et j'ai envie de te le prouver aujourd'hui. Bon, exceptionnellement, je vais calculer les macros de chaque repas. Tu sais que c'est quelque chose que je n'aime pas partager tout simplement parce qu'on est tous différents et que je ne prône absolument pas le fait qu'il faille calculer les macros sur une journée. Ça, je te l'ai déjà partagé plusieurs fois dans les vidéos sur la perte de poids, sur les conseils pour avoir une bonne relation avec la nourriture. Mais j'ai aussi envie de te prouver que dans l'alimentation végétale, sans faire des repas forcément compliqués, en ayant des choses simples, économiques, adaptées à la vraie vie, eh bien on atteint assez facilement le quota de protéines. Donc on va en parler tout au long de la journée. Je ne vais pas manger de poudre de protéines aujourd'hui, ni de barres, ni des choses entre guillemets pour tricher dans cette journée, tout simplement pour te montrer qu'on peut avoir notre quota très 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 facilement. Là-dessus, on va faire des pancakes, oui, des bons pancakes bien gourmands pour démarrer cette journée. Et écoute, c'est parti! Pour des pancakes faciles et fluffy, prêts en un rien de temps, tu vas voir, c'est très facile. Dans un bol, on va venir verser 80 g de farine complète qui apporte un petit peu plus de protéines que la traditionnelle. Et on va également utiliser du tofu soyeux qui lui en apporte 6,5 g pour 100 g. Je mélange le tout avec du lait de soja goût vanille pour bien aromatiser la préparation, un petit peu de poudre à lever ainsi que de la cannelle pour bien aromatiser le tout. Je mélange et je n'ai plus qu'à huiler une poêle avec un petit peu d'huile de coco. Je forme mes pancakes, je les retourne quand ils commencent à dorer d'un côté. Et c'est prêt, je n'ai plus qu'à servir ça avec un kiwi, un petit peu de noix de coco pour la déco et sans oublier le sirop d'érable. Je suis certaine qu'ils raviront toutes les papilles. Et voilà ce que ça donne. Donc on a le beau 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 petit déjeuner qui nous apporte plein de bonnes choses. Donc j'ai mis un kiwi pour aussi avoir la dose de vitamine C et l'odeur est juste dingue, ça sent tellement bon. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, on ne sent pas du tout la différence sur le fait qu'il y ait de l'œuf ou pas. Le tofu soyeux est un excellent switch pour remplacer les œufs. Et tu peux aussi remplacer par une banane, mais là du coup, tu perds un petit peu des protéines. Tu peux aussi utiliser les yaourts Alpro Soja à la grecque. Ils ont un très très bon taux de protéines et tu peux très bien l'utiliser aussi à la place du coup du tofu soyeux. Bon, maintenant c'est l'heure de la dégustation. Elles sont super moelleux, hyper fluffy. Du coup, moi, je vais terminer mon petit déj. Après, on ira aux courses parce que là, on est vendredi et c'est le jour des courses. Je pense que le prochain, je vais te redonner un petit peu des petits tips pour faire des économies parce qu'avec tous les prix qui ont augmenté, ça fera pas de tort, je pense. Et cet après-midi, je vais un petit peu te parler des besoins en protéines, comment les connaître et un petit peu savoir un petit peu où elles sont. Donc ici, comme je t'ai dit, tu as le tofu que tu peux remplacer par du yaourt grec. Tu peux varier un petit peu sur les farines. Donc le fait d'utiliser de la farine complète, c'est très bien. Tu peux remplacer par de la farine d'avoine qui en contient énormément. Et écoute, voilà. Là-dessus, bon appétit si tu es à table également. Et à tout à l'heure. Bon, par contre, avant d'aller faire les courses, je dois faire quelque chose. C'est aller promener une demoiselle qui est en train de chiller au soleil. Parce que si elle me voit partir maintenant, avant la promenade, elle va être très triste et va se poser beaucoup de questions. Donc je vais t'emmener quand même en balade avec moi. On va promener ? You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now.
Coucou. Rapide retour de course. Donc comme tu vois, j'ai surtout pris des fruits et des légumes vu que j'avais fait une grosse commande, enfin deux grosses commandes en ligne tout début du mois. Et ici, bah voilà, j'avais juste besoin de ça. Et j'ai pris aussi des petits flocons d'avoine parce que ça, tu sais que c'est ma grosse addiction. J'ai également trouvé ça au Lidl. C'est pas mal. La composition est assez clean et il y a quand même 11 grammes de protéines aux 100 grammes. Je pense que c'est ce qu'on va manger ce midi. Parce que justement, je voulais te montrer qu'en solution de dépannage, quand réellement tu n'as pas le temps, bah, ça peut être une belle aide. Et bah, voilà, ça réchauffe le micro-ondes, ça peut être une bonne astuce. Au niveau des yaourts, c'est ceux-ci que moi j'achète assez régulièrement. Ils ont une belle composition, la texture est plutôt sympa. Et celui à la fraise a réellement un goût de bavarois. Celui à la vanille et à la mangue, j'arrive plus à les trouver. Mais ils étaient très bons aussi, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils les proposent plus. Si toi tu arrives à les trouver, ils sont très très chouettes. Et je pense qu'on va cuisiner quelques ingrédients ce midi, du coup avec les lentilles. Je vais ranger tout ça, je bois un verre d'eau parce que j'ai très soif et on cuisine. Donc on va commencer par faire rissoler des pois chiches. Donc ici ce sont des en canette, je n'ai qu'à mettre dans un tout petit peu d'huile d'olive sans oublier plein des épices, tu te fais plaisir comme tu veux. Je dresse ensuite une salade avec des tomates, mon mélange de chez Lidl avec des lentilles et de l'orge, de la crème balsamique et pour l'instant j'adore cette huile aromatisée au basilic. J'en parsème sur le tout et c'est prêt. Et donc on se retrouve de nouveau avec une magnifique salade, enfin avec un magnifique plat. Et ici tu as donc le truc que j'ai acheté au Lidl, le mélange de céréales, lentilles et orge qui t'en apporte pas mal. Plus les pois chiches, donc je te réaffiche les macros ici. Tu peux varier bien évidemment les légumes en fonction de la saison et de tes envies. Moi j'avais envie de fraîcheur, donc c'est pour ça que j'ai mis salade et tomates. Un petit mélange de graines de Lidl est vraiment sympa, réellement. Et les tomates multicolores, moi j'adore, je trouve qu'elles ont énormément de saveur et ça donne de la couleur à un plat. J'en profite maintenant pour te parler du protéine et de tes besoins. Donc selon l'OMS, l'être humain aurait besoin entre 0,8 g et 2,2 g de protéines par poids de corps. Donc tout simplement, tu prends ton poids et tu regardes tes besoins, sachant que 2,2 g de protéines, c'est destiné aux personnes qui font un sport à haut niveau. Donc vraiment, les sportifs dans ces métiers qui vont faire 6 à 8 heures de sport par jour. C'est le cas de très très peu de personnes. Pour quelqu'un qui a une activité dite modérée, normale, comme toi et moi j'imagine, qui fait une petite heure de sport de temps en temps sur la semaine, on va dire 3-4 heures, qui va marcher régulièrement, là on va plutôt viser les 1 g de protéines par poids de corps. Tu peux également, si réellement tu as peur de manquer de protéines, te supplémenter en poudre. Donc je rappelle que ce n'est absolument pas nécessaire sur base d'une alimentation équilibrée du moment que tu manges bien de tout, mais ça peut être une aide qui peut te rassurer. Donc moi-même j'en consomme. Pas tous les jours, je le précise, mais de temps en temps, parce que quand je me fais le matin, par exemple, un smoothie bowl ou des recettes où je sais que ça en contient un petit peu moins, bah, j'aime bien en rajouter, mais ce n'est pas nécessaire, ça te permet juste d'équilibrer des recettes. Bon, là-dessus, moi, je termine ma petite assiette de midi qui est très sympa. On se retrouve devant mon ordi et je me suis fait un petit goûter, enfin un petit dessert par rapport au repas. Depuis ce matin, tu m'as pas encore vu travailler de mon boulot à côté de YouTube que j'avais toujours. Tout simplement parce que je ne l'ai plus. Si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant, mais j'ai créé la micro-entreprise totalement full création de contenu. Et je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi, à tes engagements. Chaque fois que tu laisses un like, un commentaire sur les vidéos et que tu t'abonnes, tout simplement, bah, ça permet à la chaîne de grandir. Et ça m'a permis de réaliser l'un de mes rêves qui est tout simplement de vivre à 100% bah, de la création de contenu. Par rapport à la micro-entreprise, je l'ai créée en France. Tout simplement parce que oui, on a toujours le projet de déménagement, donc ça je t'avais dit que je t'en reparlerai, mais il s'avère que malheureusement l'entreprise qui engageait mon compagnon a fait faillite. Normalement on devait être déjà déménagé, c'était prévu pour mai,
Mais bah voilà, les choses de la vie étant ce qu'elles sont, petit imprévu, ça ne nous décourage pas. Il continue de postuler dans d'autres boîtes et on espère sincèrement que le projet se concrétisera cette année, sinon l'année prochaine. Qui sait, ce sera peut-être même, si la chaîne continue de bien grandir, j'arriverai à me verser un revenu confortable qui assurerait en fait notre déménagement avec moi un revenu. Mais pour l'instant, on ne sait pas, on verra. En tout cas, moi, je vais continuer de bosser parce que ben, c'est ça maintenant, la micro-entreprise. Si tu travailles pas, t'as pas de revenus. Donc, je vais monter cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure, probablement pour un petit goûter. Pour la collation, j'ai tout simplement versé un petit peu du yaourt dans une verrine. J'ai également émietté deux spéculoos et coupé quelques fraises. J'ai alterné le tout pour que ça soit un petit peu joli. Et voilà, c'est prêt, donc un nouveau snack prêt en moins de 2 minutes et hyper savoureux. Regarde-moi ce dessert, c'est tellement joli, vous êtes très nombreux à me demander des recettes de dessert. Ben, voici une idée que tu peux totalement servir à tes invités lors d'apéro, ce genre de truc. Mais je pense que je vais te faire une vidéo sur le sujet très bientôt. Je ne sais pas encore si ce sera une vidéo sur les desserts ou sur les apéros. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères en commentaire, je ferai celle qui revient le plus. Et moi je vais déguster ça, mais là je me réalise que j'ai oublié une cuillère, donc je vais en chercher une. Tadam! Donc voilà, toutes les couches. Donc avec le spéculoos et tout, c'est super gourmand. Moi, je trouve que fraises et spéculoos, ça se marie toujours super bien. Tu peux aussi ajouter de la pâte à spéculoos, tu vois, la pâte à tartiner. Et oui, c'est vegan, les spéculoos, pour ceux qui ne le savaient pas. Trop, 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 trop bon. C'est vraiment très, très bon. C'est un dessert hyper gourmand. Ce soir, j'avais très envie de mac and cheese, donc je te partage la recette que je n'ai encore jamais partagée sur mes réseaux. Je commence par émincer deux poivrons que je fais revenir dans de l'huile aromatisée à l'ail. J'adore réellement ces huiles, j'en mets absolument partout pour l'instant. Je laisse rissoler le tout pendant environ 10 minutes, juste le temps de cuire mes pâtes. Donc ici, je me suis orientée vers ces pâtes qui sont un mélange de légumineuses, ce qui est top vu qu'elles apportent beaucoup de protéines. On en trouve assez facilement maintenant sur internet ou en grande surface. Et je n'ai plus qu'à les mettre cuire. Pendant ce temps, je m'occupe de la sauce. Donc pour ça, je blende une poignée de noix de cajou, de l'eau, du sel ainsi que de la levure maltée qui va apporter un bon petit goût fromager. C'est important de bien mixer pour ne plus avoir de grumeaux. Donc moi, j'ai pas mixé assez malheureusement, mais ça restait quand même très très bon. Et j'ai tout simplement dégusté le tout devant le dernier épisode de Stranger Things. Je vais clôturer la vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle t'a aidé, qu'elle a répondu aux interrogations que tu pourrais avoir sur les protéines, sur tes besoins et surtout qu'elle t'a rassuré. Oui, en alimentation végétale, c'est totalement possible d'avoir ton quota. Alors non, ce n'est pas nécessaire d'en consommer à outrance. Il faut savoir que dans nos pays, on en consomme beaucoup, beaucoup et même limite trop, que de toute façon, ce ne sera pas absorbé par ton corps et que ça finira, pour le dire très clairement, aux toilettes. L'idéal, c'est de varier un maximum tes sources, donc prendre des légumineuses, du tofu et d'optimiser tes céréales différentes et de varier tout ça sur la semaine, tout simplement pour avoir le plus de profils d'acides aminés et avoir tes sources de manière optimale. Mais tout ça n'est pas compliqué. Comme toujours, varier son alimentation, avoir des assiettes complètes. Là-dessus, si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si je vois qu'il y en a beaucoup, j'essaierai de refaire une vidéo sur le sujet. J'en parle déjà pas mal en général dans les journées dans mon assiette, donc n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres types de contenus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé !